tu es ravie que papa travaille, mais comme maman aussi, tu souhaiterais très vivement que cette information finisse par pénétrer le cerveau de tous les instits, pédiatres et autres profs d'aïkido. C'est toi qui dois choisir entre vie professionnelle et vie de famille. Toi qui as un poste éjectable, un job à mi-temps, un emploi précaire ou tout simplement un métier de merde. Mais c'est pas grave, parce qu'une fois par an, le 8 mars, c'est ta journée. Tu dois te justifier si tu avortes, mais tu dois aussi te justifier si tu n'as pas d'enfant. Ou trop peu, ou trop tard, ou trop tôt, ou trop, ou pas comme il faut. Tu dois te justifier si tu allaites trop longtemps. Et si tu n'allaites pas? Tu dois te justifier si tu travailles. Et si tu ne travailles pas? Tu dois te justifier si tu vieillis, si tu te caresses ou si tu pètes. Mais tu t'en bats les steaks! Parce qu'une fois par an, le 8 mars, c'est ta journée!